chanteur, alors que j'étais à l'armée. On était en manœuvre dans le Louisiane, et lui au mois de mai. Capitaine, on nous montre un fleuve, et c'est comme ça que tout a commencé. On avait de la flotte jusqu'au genou, et ce vieux con dit d'avancer. Sergent, pour mon capitaine, et pour sûr que c'est le chemin. Sergent, j'ai traversé souvent, et je connais bien le terrain. Suivez-moi, je marcherai devant, je n'aime pas les dégonflés. Il y en avait jusqu'à la ceinture, et ce vieux con dit d'avancer. Sergent dit, on est trop chargé, on ne pourra pas nager. Sergent, ne sois pas si nerveux, il faut de la volonté. Alors soldat, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. De la flotte jusqu'au cou, il se vient con qu'il avance. Dans la nuit soudain, un cri jaillit suivi d'un sinistre glou-glou. Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous. Sergent cria, retournez-vous, c'est moi qui commande à présent. On s'en est sorti juste à temps, le capitaine est mort maintenant. Le lendemain, on a trouvé son corps enfoncé dans les sables du vent. Il s'était trempé de 500 mètres sur le chemin qui mène au camp. Un affluent en jeté dans le fleuve, où il croyait la terre tout près. On a eu de la chance de s'en tirer quand ce vieux con a dit d'avancer. Cette triste histoire, je vous la laisse deviner. Mais vous avez peut-être mieux à faire, vous ne vous sentez pas concerné. Mais chaque fois que j'ouvre mon journal, je pense à cette traversée. On a de la flotte jusqu'au genou, il se vient con d'avancer. Il y en avait jusqu'à la ceinture, et ce vieux con il avançait. Il y en avait la flotte jusqu'au cou, et ce vieux con il avançait. Il y en avait jusqu'à pa 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 pa. Ba-ba-ba-d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 a-